La tension est palpable sur le tableau de TF1 et LCI. Routel Krief et Gilles Boulot accueillent Valérie Pécresse et Éric Zemmour ce jeudi 10 mars 2022 pour un débat d'un peu plus d'une heure dans le cadre de leur candidature à la présidentielle. Interrogée la première, la candidate Les Républicains a ouvert la discussion sur le conflit russo-ukrainien, qui occupe la une de l'actualité depuis qu'il a éclaté le 25 février 2022. La présidente du Conseil régional des Îles-de-France a lancé les hostilités en reprochant à son adversaire son soutien passé à Vladimir Poutine. Piqué au vif, Éric Zemmour lui a répondu en lui faisant une leçon d'histoire sur la proximité de la droite avec la Russie, la tradition gaulliste. C'est justement le rapprochement avec la Russie, a-t-il martelé, après avoir énuméré toutes les fois où le général de Gaulle s'était trouvé proche des dirigeants russes. Je crois que vous étiez aussi proche de Jacques Chirac, en tout cas vous le prétendez. Jacques Chirac avait remis la Légion d'honneur à Vladimir Poutine en 2006 et a reçu le prix de l'État de la Russie, la plus haute distinction du pays en 2008, a également rappelé le candidat de Reconquête.